Voilà, bonjour chères joomleuses, chers joomleurs, et bienvenue pour ce Joomla Day virtuel, le deuxième vendredi d'affilée de Joomla Day virtuel. Je vous réexplique le principe. Vous avez tout le programme sur joomladay.fr/virtuel. Et comment est née cette idée de Joomla Day virtuel? Simplement, normalement, c'est la semaine passée qu'on devait se rencontrer pour le premier Joomla Day physique en dehors de l'Hexagone. Ça a toujours lieu à Paris ou en province, en France. Et donc, eh bien, cette fois-ci, ça va avoir lieu à Bruxelles les vendredis 15 et samedi 16 mai. Mais à cause du Covid-19, on a dû reporter, et ça aura lieu toujours à Bruxelles, mais les 2 et 3 octobre. Du coup, on s'était dit que ça allait être un peu dur d'attendre jusqu'au mois d'octobre pour se retrouver, pour échanger et causer Joomla. Si bien qu'on s'est fait un petit programme de Joomla Day virtuel que vous retrouvez donc sur joomladay.fr/virtuel. Et chaque vendredi après-midi, pendant quelques semaines, on va se retrouver pour typiquement deux sessions un peu selon la disponibilité des intervenants. Ici, cet après-midi, on a déjà eu Wilfried Nguessan qui nous vient de Côte d'Ivoire, parce qu'en plus, le but, c'est aussi d'avoir des intervenants qu'on ne voit pas toujours. Forcément Joomla Day physique, même si Béa, tu me souviens que à mon tout premier Joomla Day, quand j'étais jeune, j'avais vu une présentation de ta part. Mais donc, l'idée, c'était aussi de profiter de ce Joomla Day virtuel pour avoir des intervenants qui viennent peut-être d'un peu plus loin et qu'on voit moins souvent. On a eu l'Allemagne, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, maintenant la Suisse. La semaine prochaine, il y aura les États-Unis. Après, il y aura encore la Martinique. Il y en aura même la France et la Bretagne, si je peux les séparer. Voilà, donc ça c'est pour le principe. Je reviens sur mon écran Jitsi. Et donc, le deuxième invité de cet après-midi, c'est Béat, qui est le monsieur Community Builder qui nous vient de Suisse. Bonjour Béat. Bonjour Denis, vous Tu vas m'entendez bien? bien? Ouais, ça va très bien. Super. Eh bien, je pense que Béat nous a préparé une présentation aux petits oignons avec un timing précis, plein de slides et tout. Donc, je vais sans tarder lui donner la parole. Et Community Builder, je ne suis pas un expert, mais mon tout premier site, ouais, premier ou deuxième, mais utilise Community Builder. C'est pour un usage relativement simple, donc je situe bien l'outil. Je l'utilise simplement pour que ben, l'utilisateur qui se connecte, c'est une association de membres, d'avocats en l'occurrence, pas de juristes plutôt. Et donc, ça permettait d'enrichir leur profil. J'étais à la recherche d'un outil qui permette de faire ça, d'enrichir le profil et aussi avoir un annuaire qui permette justement à chacun des membres de consulter la liste des autres membres, mais sans pouvoir non plus exporter directement toute la base de données ou faire recherche sur n'importe quel champ. Donc, voilà, le nécessairement de faire des recherches sur certains champs pour que personne ne puisse extraire toute la base de données. Et Community Builder faisait le job. Donc, j'ai une petite idée des possibilités de Community Builder, mais tu vas certainement aller plus loin que l'utilisation basique que moi j'en ai fait. Donc, à toi la parole, Béat. Ok, c'est gentil. Il faut juste que je trouve comment j'arrive à partager mon écran. Ouais, en bas à gauche, il y a une petite icône dans Jitsi. Oui, elle a disparu quand j'ai fait hide, donc on espérait qu'elle va revenir. Tu as Juste une fait hide, seconde. hide Je... quoi? Ouais, il y avait un pop-up et puis je rafraîchis juste la Ah, fenêtre. sinon, si tu rafraîchis la page, tu vas juste nous quitter 3 secondes et ça va revenir. Voilà. Et les gens revoient ma tête en attendant que tu reviennes. Voilà. Béat nous revient. Ça fonctionnait bien, j'avais testé tout. J'ai toujours pas d'icône. Alors on va faire différemment. Je recharge tout le browser. Petit instant. Ouais, je te laisse faire alors. Pendant que Béat fait un petit tour virtuel, je vais moi partager mon écran. Voilà.
Pour vous montrer ici, c'est le site de Community Builder. C'est joomlapolice.com. Un site en anglais. Et c'est vrai que venant de Belgique, je ne prête pas trop attention à la langue. Rebonjour Béat, je crois que tu es revenu. Oui, mais je n'ai toujours pas l'icône. En bas de l'écran, est-ce que tu as bien l'icône? Là, maintenant. Allez voir. J'ai. Votre écran est partagé. Voilà, maintenant c'est bon. Je vais ignorer cette icône. Ah, elle a disparu maintenant. J'ai rien fait. Ah, mais je te vois toi maintenant. Décidément. Excusez-nous de ce petit souci technique. Ça fonctionnait bien lors de la Quand tu bouges ta souris normalement sur l'écran, ça fait apparaître les icônes du bas, dont l'icône pour raccrocher, pour changer de micro, la caméra et tout ça. Et à la même hauteur que ça, mais à gauche, à l'extrême gauche, tu as des icônes aussi. Tu les visualises, oui. Celle-là? Je visualise la main levée, il y a l'autre, mais la troisième, qui était apparue par magie quand j'ai enclenché l'extension. Ouais, mais c'est juste à gauche de la main levée. Oui, c'est juste qu'elle n'est pas là. Mais tu n'as pas la troisième. Le pop-up est peut-être passé en arrière-plan chez toi alors. Quand on clique sur partager votre écran, il y a un pop-up du navigateur. Un pop-up du navigateur, mais voilà. qui permet de dire quelle fenêtre on partage. Est-ce qu'on partage Alors, je vais meubler pendant que Béat regarde ses écrans. On est en train d'utiliser Jitsi ici pour partager en visioconférence. Et Jitsi est une solution open source, et donc ce qui est très sympathique. Et en plus, grâce au confinement, en l'occurrence, il y a eu plein de contributions à ce projet open source. Donc, l'outil s'est encore amélioré ces dernières semaines, ces derniers mois. Et notamment, on peut faire ce qu'on est en train de réaliser pour l'instant, c'est que on l'utilise comme outil de visioconférence, mais en même temps, il y a un petit menu qui permet de streamer sur YouTube. Donc, on pourrait très bien faire une réunion à 5 personnes, par exemple, et partager les écrans et ainsi de suite. On parvient à le faire, n'est-ce pas, Béat? Mais dans le même temps, le streamer sur YouTube et donc avoir, imaginons, 1 million de spectateurs, de viewers en direct. Voilà, si on voulait faire la même chose avec Zoom, aller voir le coût de licence, c'est pas piquer des verres dès qu'on dépasse 100 utilisateurs, les frais récurrents, etc. Donc ici, il y a vraiment moyen de faire des chouettes choses avec Jitsi. Et je vois les lèvres pincées de Béat, donc j'ai l'impression que c'est toujours pas résolu. Je vais réactiver cette extension. Ça ne va pas. Je referme la fenêtre. Voilà. Alors, en plus, Béat a prévu une session bien corsée. Il a préparé des slides, etc. Donc, je pense qu'il y a un minutage avec pas mal de contenu dès qu'il pourra partager son écran. Voilà, je crois qu'il est en train de revenir dans la session. Voilà, on te revoit. C'est très embêtant. As-tu LibreOffice? Peut-être pas sur cette machine-ci. Alors, je t'envoie, j'invite un PDF que je t'envoie, parce que là, je ne vois pas comment partager cet écran, ce qui est très, très ennuyeux. Mais tu as l'icône qui s'appelle partager cet écran. Je l'avais, puis elle a disparu. Non, mais ça veut dire que sur l'écran. À gauche de la main, tu n'as rien alors. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Et j'avais installé l'extension pour pouvoir l'avoir. Et elle n'est pas là. Est-ce que toi, tu dois m'autoriser à partager l'écran éventuellement? Non, je n'ai jamais rien fait de pareil. Ok. Dans le chat.
PDF. Tu es en train de m'envoyer via Skype un message ou... Oui, je génère vite le PDF et puis je t'envoie le PDF. L'écran, comme ça, parce que je ne vois pas. Désolé, mais là, et, du coup, elle a été vraiment... Elle était là jusqu'à ce que je veuille cliquer dessus. On agit sans filet. Et tu m'envoies cette PDF, la présentation, comme ça moi je le partage et pendant que toi tu parles, c'est ça? Voilà, on fait comme ça. Moi, je dirais ça aussi, donc, oui, c'est ça. Comme ça. À l'ancienne. Il n'y a pas de souci. On va trouver des solutions. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent, en fait, Béa, tu es sur une configuration. Je pense que tu es sur Linux, c'est ça? Et donc, c'est oui. Chromium. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de particulier lié à l'installation oui. qui est plus pointu. Un ordinateur banal. Malheureusement, ça ne fonctionne pas sous Firefox. Donc, j'ai dû me rabattre sur Chromium que je n'utilise pas habituellement. En principe, je pense que ça fonctionne. Chez moi, ça fonctionne aussi sur Firefox, mais en général, j'entends les trous d'expérience que ça marche encore mieux sur Chrome sur, quand on parle d'une machine classique. Genre, un classique. Est-ce qu'on peut dire classique? Voilà, bah, je t'envoie le... Voilà, je viens de recevoir ton document. Donc, je t'envoie. Je vais... En même temps, bah, moi, je vais quand même essayer sur Firefox, on ne sait jamais. Quand j'avais okay, fait les essais, ça ne fonctionnait pas. Donc, au moins, on a un pilot school cette fois. Ouais. Tu peux fermer ta session, ton navigateur ici, et ouvrir Firefox. On t'attend 2 minutes et pendant ce temps-là, je prépare. J'ai déjà ouvert le PDF okay. et je t'attends ici. Bon, moi, je ne bouge pas. Mais ferme peut-être ton Chromium, sinon tu as 2 applications qui vont vouloir utiliser la webcam et le micro en même temps et ça ne va pas aider. Voilà, j'avais déjà. J'attends avant de partager ces slides. Alors, je vais déjà vous dire qu'il y a 50 slides. 59 slides. Voilà. On va sans problème tenir 1 heure avec ça. Et on attend que Béat nous rejoigne avec un autre navigateur, puisque son partage d'écran ne déclenche pas. Désolé pour ce contretemps. Ah, voilà. On a Béat qui nous revient, je pense. Donc, pas encore. Donc, je dis, on utilise ici Jitsi pour la visioconférence qui permet aussi de streamer sur YouTube. Et j'en profite pour remercier Peter Martin, qui est un Joomler néerlandais bien connu de la communauté, qui est très actif. Et qui a justement installé son propre serveur Jitsi pour ses besoins pendant le confinement, parce que ça évite d'utiliser la version mondiale qui éventuellement peut être chargée. Donc, j'attends Béat. Non, il n'y a toujours pas Béat arrivé.
Ouais, voilà. Maintenant, je te retrouve, Béat. Mais oui, on est toujours dans ça n'a pas fonctionné avec Firefox. Non. Désolé. Ok. Tu as le PDF, tu arrives à l'afficher, toi? Oui, alors je vais l'afficher tout de suite, une petite seconde, fenêtre de l'application. Voilà. Et tu me diras quand je vais passer au slide suivant, simplement. Ouais, je te fais top chaque fois, voilà. Alors, attends, il y a sûrement un mode affichage plein écran. Et je vais juste vérifier qu'en streaming, ça passe correctement en plein écran. Voilà, je te passe la parole et je vérifie que ça donne bien en streaming. Ok. Je ne sais pas recadrer, je veux dire. D'accord. Donc, bienvenue à tout le monde. Désolé pour ce couac technique, totalement imprévu. Ça fonctionnait avec l'essai que j'ai fait en privé avant. Et puis, et voilà, l'effet de donc, on va rapidement commencer avec le slide suivant. Donc, voilà. quelques mots sur moi-même. Donc, je suis un journaliste, en fait, mamboïste depuis 17 ans maintenant. Mon nom est Béat sur les forums, dans la vraie vie, c'est Béat Brunner. Je suis en Suisse. J'ai fait des études à l'EPFL à Lausanne. Mes spécialités, c'est Internet, la sécurité, les applications web et les énergies. Donc, community builder, ben, c'est de là que vous me connaissez. Je suis aussi l'auteur de CD Paid Subscription. Et puis, à part ça, je suis aussi relecteur expert au GIEC. Pour le rapport de réchauffement climatique de 5 degrés, puis aussi pour le prochain gros rapport, ce qui est une activité qui est tout à fait accessoire et puis super intéressant pour moi. Slide suivant. Et là, il y aura. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, peut-être rapidement de Joomla et le logiciel libre à l'heure des crises, puisqu'on est dans des crises actuellement. Ensuite, on va faire un survol de Community Builder, de leur add-on, en particulier comment démarrer rapidement. Quelques mots sur la gestion d'une communauté. Et puis ensuite, si le temps le permet, on pourra encore vite faire une démo avant de conclure. Donc, slide suivant. Le logiciel libre actuellement vit comme nous, une quadruple crise, en fait. On a celle qui est la plus connue, la plus immédiate, qui est cette crise sanitaire, Covid-19. Mais avant, on avait une crise environnementale et climatique grave, des crises économiques et monétaires non négligeables, des crises sociales. Mais avec l'urgence n'a jamais été aussi grande que pour cette crise sanitaire. Et partout, en Europe en particulier, on réalise en fait que la globalisation, la concentration limitée de tout ce que vous voulez, nous a mis dans une situation qui nous amène justement dans ces crises où on a eu l'occasion d'avoir un certain retour aux sources et à la simplicité ces dernières semaines, et on a pu voir la différence par rapport à la normalité qu'on avait avant. Donc, slide suivant. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que le logiciel libre, et en particulier Joomla, a eu un gros regain d'intérêt durant cette période de confinement et puis de remise en cause de cette globalisation, avec des produits locaux, des solutions qui sont maîtrisables, l'indépendance des géants, concentrateurs de pouvoir et autres. La numérisation, évidemment, a eu un boost équivalent à 10 ans minimum de numérisation. Ce qui a aussi remis Joomla un peu sur le centre de la scène. D'autant plus que on a une flexibilité, une agilité qui est la bienvenue dans ces temps. Puis avec l'open source, aussi, c'est logiciel libre, on a cette résilience et cette durabilité également qui sont les bienvenus. Slide suivant. Donc, voilà quelques petits mots, en fait, du côté de Joomla, de mes activités dans le Joomla Security Strike Team et dans d'autres activités de Joomla, ainsi que Community Builder. On a eu un regain d'intérêt et d'activité très net toutes ces dernières semaines. Et ça a l'air de durer, donc c'est très encourageant et très motivant de voir ces choses qui bougent.
Donc là, je vais parler un petit moment de Community Builder. Community Builder, en fait, permet de gérer des membres, des enregistrements flexibles. Là, on a trois types d'enregistrements. Des enregistrements avec des champs supplémentaires, avec des onglets supplémentaires. Donc, ces onglets, ben, ça permet d'aller d'une étape à la suivante, de faire un lancement par étape. Et puis, l'enregistrement avec des plugins additionnels, comme par exemple pour des souscriptions payantes, qui sont gérées en fait automatiquement par Community Builder avec les installations correspondantes. Slide suivant. Community Builder donc, gère aussi la liste des membres. Donc, qui peut apparaître, on a trois formes de membres différents qu'on peut faire régler de manière très flexible avec différentes listes en fonction de ce qu'on veut faire. Slide suivant. Également, les interactions des utilisateurs, leur connexion, leur amitié, leur lien peut être géré avec Community Builder de base. Slide suivant. Le gros point fort de Community Builder, en fait, c'est la gestion des champs des utilisateurs. Donc, de base, il y a une trentaine de types de champs. Ça va depuis les textes, en passant par les nombres, les dates, les champs cochés, les tags, les couleurs. Gestion des couleurs, le choix d'une couleur, c'est simplement un champ qu'on peut ajouter à un propre utilisateur pour sa couleur favorite, par exemple. Des images avec des modérations et des approbations, avec des galeries d'avatars qui peuvent être pris. Ensuite, il y a tout ce qui est multimédia, vidéo, audio, fichiers, qui peuvent être mis dans des champs. Les termes et conditions, ça c'est quelque chose de très important pour la GDPR. On peut avoir plusieurs termes et conditions qu'on peut demander d'être coché, qu'on peut demander de recocher. Ensuite, il y a une messagerie privée intégrée maintenant, mais il faut aussi travailler avec UDIM pour ceux qui préfèrent continuer avec UDIM. Et puis, tous les champs de Joomla peuvent être prédéfinis, peuvent être utilisés. Tu appelles les champs de Joomla prédéfinis, c'est les custom fields ou bien c'est autre chose? Les champs personnalisés, custom fields? Non, c'est les champs de base. Ouais. Les custom fields, actuellement, ils ne sont pas encore intégrés. Mais des sites, on n'a pas eu de demande en fait, pour que les custom fields soient intégrés dans Community Builder, à ma connaissance. Parce que les gens, ils utilisent les champs de Community Builder dès le moment où ils ont installé Community Builder. Oui, c'est ça. A priori, c'est l'un ou l'autre. Mais tu pourrais avoir un site historique déjà implémenté des champs qu'il faudrait conserver éventuellement. Absolument. Je pose la question comme je suis connu pour être un grand fan de Custom Fields. Ça m'intéresse toujours de savoir l'intégration entre Custom Fields. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est prévu. On a prévu d'ici la fin de l'année de faire une grosse release avec des nouveaux champs. Et puis là, il y a une intégration qui est prévue avec les custom fields de Joomla, mais aussi avec pas mal d'autres types de champs qu'on peut trouver sur le web. Le web évolue à une grande vitesse. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et puis, ça s'est encore accéléré. Et donc là, on est en train d'intégrer pas mal de choses. Mm-hmm. Les champs multimédia, j'en ai parlé tout à l'heure, trois champs audio, fichiers et vidéos, qu'on voit où on peut soit choisir des vidéos locales qu'on peut télécharger, soit donner un URL d'une vidéo YouTube ou autre. Ouais, ouais. Champ suivant. Le concept de base, on va faire la présentation avec les slides. Donc, je peux partager mon écran pour les démos. Community Builder travaille en fait avec des positions. Une position peut être soit une position, comme par exemple le titre, l'admin profile page là. Une position, par exemple, avec les champs qu'on voit avec l'avatar, la personne. Mais ça peut aussi être dans un onglet. Comme ici, par exemple, article. Donc, chaque champ peut être mis dans une position.
Et ces positions peuvent être déplacées en fonction de comment est-ce qu'on veut faire apparaître le profil de l'utilisateur. Suivant. Donc ça, c'est pour les champs. Ensuite, il y a des plugins. Il y a un certain nombre de plugins qui sont de base. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être installés. Il y a en fait quatre types de plugins. Les plugins qui ajoutent des nouveaux types pour des champs d'utilisateurs. Et ensuite, il y a des plugins qui permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, par exemple dans des onglets, ou pour enrichir en fait tous les champs de base et tous les champs supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement flexible et extensible. En fait, il y a énormément d'événements de Community Builder qui permettent en fait d'étendre pratiquement à l'infini des fonctionnalités. Puis encore deux autres types de plugins qui sont les langues. Community Builder est donc traduit en français. Merci beaucoup à toute l'équipe si vous m'entendez. Vous faites un boulot super là-dessus. On a assez rapidement des traductions en français. Et finalement des templates Community Builder particuliers qu'on peut installer. Suivant. Je vais prendre l'exemple du plugin CB Blogs qui est intégré au Community Builder de base. Sa version, sa seule version qui est gratuite et open source, hein, qui permet en fait ensuite de créer des blogs, de les afficher sur son profil et de, ensuite pour aussi les afficher, les blogs des différents utilisateurs sur des pages correspondantes. Suivant. Là, on va passer très rapidement en revue le back-end en fait de Community Builder. Là, mon backup, en fait, c'était les sites, donc ça tombe bien. Quand on installe Community Builder, il y a un nouveau menu Community Builder qui se crée avec différents sous-menus qu'on va passer en revue maintenant. On peut changer le style toutes les 5 secondes à peu près là. User Manager, donc, qui est le pendant de Joomla, mais avec des fonctionnalités supplémentaires de Community Builder. Community Builder étant, en fait, les objets user de Joomla, il ne les remplace pas. Donc, les choses restent synchrones. Et puis, en fait, pour l'utilisateur Joomla, aussi dans l'user manager de Joomla, mais pour avoir toutes les fonctionnalités supplémentaires, on peut utiliser celui de Community Builder. Maintenant, on a Community Builder. Suivant. C'est ça. Ouais. Donc, si on est distrait et que de temps en temps, on fait ces modifications dans le composant utilisateur natif de Joomla, ça ne pose aucun problème. Aucun problème dans le sens que les champs ne sont pas doublés. On utilise les champs de Joomla là où ils existent et on étend avec la table comme profiler qui permet d'ajouter en fait les champs supplémentaires et les fonctions supplémentaires. Donc, le seul hic, c'est que si on crée un utilisateur Joomla, la table Community Builder ne va pas être créée jusqu'à ce qu'on resynchronise ou que l'utilisateur se log et puis que ça se resynchronise. Mais on encourage quand même à éviter quoi que ce soit comme problème de ce type-là. Le manager de CD. Ensuite, il y a le tab manager qui, en fait, qui permet de gérer les différents onglets et champs et fonctionnalités supplémentaires. Next. On a le field manager qui permet justement d'ajouter des champs de tout type. Et de les assigner à des positions d'utilisateurs. Ensuite, on a le list manager qui permet de gérer les différentes listes d'utilisateurs de Community Builder. Là aussi, on a vu dans les copies d'écran tout à l'heure que c'est très flexible, très varié tout ce qu'on peut faire comme type de liste avec des fonctions de recherche, bien sûr. Le plugin manager qui est en fait un très gros morceau dans le sens que c'est par là que on va gérer en fait tous les plugins. Et, on en avait jusqu'à une centaine, jusqu'à ce qu'on en remette un peu ensemble. On a plus de 50 plugins pour différentes fonctions. Et donc c'est à travers le plugin manager qu'on va pouvoir les installer et puis les gérer. Suivant. Je peux donner quelques exemples de pour ceux qui sont les plus utilisés, mais de plugins qu'on va utiliser comme ça, c'est pour déclencher quoi ou c'est pour interfacer avec quoi?
C'est pour interfacer avec des forums, ça c'est dans le community builder par exemple, c'est pour avoir un stream d'activité, de nouvelles, c'est pour avoir gérer des groupes, etc. J'ai quelques exemples tout à l'heure. Donc, ah ok, ça va, alors je passe. Ouais. Ensuite c'est Btool, c'est là où on peut resynchroniser les utilisateurs de Joomla si nécessaire, mais aussi où on va pouvoir faire un load sample data pour avoir déjà un certain nombre de champs d'exemples configurés. Ouais, ça. Si on veut se faire un petit site de test avant vraiment de travailler dessus. Et, Voilà. Donc, typiquement, load sample image, sample data dans le Sudana, ensuite, la configuration aussi, qui est le dernier des multi-builders, qui permet en fait après de pouvoir faire prénom, nom, prénom, deuxième, prénom, nom. Définir la manière dont les noms sont affichés, les dates, etc. De telle manière à pouvoir aussi faire l'enregistrement avec prénom et nom séparés plutôt qu'avec un seul champ, lorsque c'est utile et nécessaire. Voilà, donc la configuration, je ne vais pas trop en détail, donc, sinon on va y passer plus qu'une heure. Hein. Et voilà, donc là je vais parler de quelques add-ons majeurs de Community Builder. Ça c'est juste le mot suivant. D'abord, j'en ai piqué quelques-uns qui sont assez intéressants. Le CB Field Groups. Alors, en fait, c'est un champ utilisateur qui permet de regrouper des champs, d'autres champs utilisateurs déjà définis et de les rendre répétables. Ça, c'est cool. Là, par exemple, si on a un champ type de numéro de téléphone et puis un champ numéro de téléphone, eh bien, une fois que ces champs sont définis, on peut définir un nouveau champ CB Field Group. De type liste de numéros de téléphone. Et donc, on va associer type et numéro de téléphone, et puis on va dire que ce champ-là peut être répété. Donc, l'utilisateur peut ajouter des nouveaux numéros de téléphone, choisir le type et choisir le nombre. Mais là, il faut s'imaginer que n'importe quel type de champ peut être utilisé là-dedans, donc y compris image, galerie, etc. Donc, ça donne une assez grande flexibilité. Et puis, à droite en bas, vous voyez une autre mise en page avec trois champs, cette fois, de texte avec un sélecteur texte ARA et puis un nombre. Ouais. Suivant. Un autre qui est assez intéressant, c'est un CB Conditionals. Alors ça, c'est, il ne va pas rajouter des types de champs. Par contre, il va enrichir avec un nouvel onglet, avec plein de sous-onglets, tous les champs existants. Donc là, par exemple, on va pouvoir dire ce champ-là ne s'affiche que si tel autre champ a telle valeur. Ou bien, si l'utilisateur a été enregistré depuis plus de 24 heures, on va mettre à disposition ces champs. Sachant qu'un champ peut être un champ programmable, SQL ou PHP, ça permet joliment de faire du conditionnel très très poussé pour l'enregistrement, pour profil, etc. Et puis ça va marcher en JavaScript aussi bien qu'en PHP avec toutes les sécurités correspondantes pour que les gens puissent pas tricher. Mais là j'apprends déjà plein de choses, des champs répétables et des champs conditionnels, tu vois, dans mon petit site basique j'avais pas ce besoin là, mais j'avais jamais creusé et j'ignorais même que c'était à disposition. C'est vrai que ces deux fonctionnalités assez assez puissantes. Ensuite, je parlais de ces champs requêtes SQL ou code PHP. En haut à gauche, on voit que le type sous lequel ce champ-là va être affiché. Est-ce que ça va être des boutons radio? Est-ce que ça va être une Dropbox, une drop-down, etc. Avec possibilité d'updater ce champ et puis de mettre à jour la base de données SQL ou du code PHP. Et puis, ces champs sont des champs qui calculent. Donc, on peut en plus dire en bas à droite, en fonction de la modification de quel autre champ, ils vont se mettre à jour automatiquement. Mm-hmm. Et là, on peut s'imaginer que c'est une requête SQL sur une base de données distante ou sur un autre système. Donc, ça permet de faire des intégrations assez facilement. Et la même chose qu'avec une requête SQL et code PHP, on a aussi un type de champ pour des requêtes HTML, XML, REST, JSON, etc. Donc, on peut commencer à faire du
mashup d'applications web à travers les champs de multibuild. Bon. Cyberactivité, ça c'est leur un assez gros plugin en fait qui est très fédérateur, qui va en fait récupérer tous les événements de tous nos plugins et puis les entrer dans un stream d'activité qui ensuite pourra être interactif avec des commentaires, y compris des GIFs animés et autres, likes, qui peuvent être insérés soit dans un profil, soit dans une page d'activité générale du site ou d'un utilisateur particulier, ou encore dans un groupe Drive, dont je vais parler au slide suivant probablement. Honneur est bonne, oui. Donc, Group Drive, ça c'est un plugin qui est assez lourd, en fait, dans ses fonctionnalités, parce qu'il va permettre aux utilisateurs de s'auto-organiser, c'est-à-dire de créer leur propre groupe d'intérêt, d'inviter des membres, de gérer ses membres, d'avoir une galerie, d'avoir leur propre flux d'activité, le flux d'activité s'intègre avec CBActivity, donc on les voit aussi au niveau du site. Ça permet d'avoir des fichiers, des vidéos, de gérer leur propre forum avec Kulena. Et puis, donc, comme je disais, d'inviter des gens. Et surtout, en fait, l'idée, c'est que les gens puissent s'auto-organiser. Donc, pouvoir communiquer par ce biais et puis partager leurs informations, soit de manière ouverte, soit de manière fermée. Un groupe peut être privé, public, etc. Vraiment un peu le même principe, un peu que les groupes sur Facebook où les gens ont des comptes sur Facebook individuels et puis ils peuvent, quelqu'un peut créer un groupe fan de Pink Floyd et il peut être ouvert ou fermé et les gens rejoignent. Donc c'est un peu pour créer ce genre de Facebook-like. Absolument. Faut pas le confondre avec les groupes du système d'autorisation de Joomla. Oui. C'est vraiment des groupes qui permettent justement aux gens de pouvoir s'organiser en ligne pour des activités en ligne ou des activités hors ligne. Par exemple, il y a un onglet Events qui permet de créer des événements. Là, par exemple, peut-être qu'on ne le voit pas sur votre écran, mais il y a un exemple de Joomla Day francophone. Oui, il est sur l'écran. De créer l'événement avec intégration de la carte. S'il y a une carte, là, en l'occurrence, il n'y a pas de carte. Donc, il n'est pas affiché. Les CB Galeries, c'est des galeries multimédia, donc ça permet non seulement pour des images, mais aussi des vidéos, des fichiers, PDF ou autres. Ça permet d'avoir des dossiers, et ça au niveau d'un profil, mais aussi au niveau du site. Donc, c'est assez, assez complet comme extension. CB Privacy, ça c'est un plugin qui permet d'étendre tous les champs, avec un setting, avec une configuration de privacité pour chaque champ ou pour chaque onglet, de manière générale, où chaque utilisateur va pouvoir décider si, par exemple, dans ce cas-là, son sexe est public ou privé. Donc, respectivement, s'il est connu à ses connexions seulement ou aux connexions des connexions, ou à certains types de connexions en particulier. Tout ça, en fait, l'administrateur peut le régler dans la partie administrateur. Quels sont les choix à laisser à l'utilisateur au niveau des différents champs. Suivant. CB Connect. Alors là, en fait, on a parlé d'enregistrement qu'on peut faire soi-même sur son site. En fait, CB Connect permet de le court-circuiter. Il permet de s'enregistrer avec un compte Facebook, Twitter, LinkedIn, GitHub, Amazon, PayPal, et j'en passe. Donc ça, c'est sur un screen dump d'un type de démo où c'est un peu extrême, on a tout activé. Donc, on peut même se loguer avec son compte WordPress. Et puis, ça permet de créer authentiquement le compte. Puis si on a déjà un compte créé avec l'email, on peut linker le WordPress, et puis s'il y a des champs qui peuvent être récupérés, on peut les synchroniser ensuite avec le profil d'utilisateur
de Community Builder. Alors, au début, Facebook, on pouvait accéder à tous les champs et puis les copier gaillardement, respectivement, les linker plutôt de son site. C'est beaucoup plus, devenu beaucoup plus restrictif, heureusement. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être récupérées suivant quel site social il s'agit. Ouais, ouais. Juste une question, parce que comme on parle de ça, il y a différentes versions de la licence Community Builder. Je ne sais plus très bien quelles sont les formules, mais il y a aussi une version gratuite ou c'est d'office payant, je ne sais plus ça. Non, c'est gratuit. Alors, les quelques plugins supplémentaires que je vous ai montrés là, ça c'est des add-ons qui font partie des formules payantes. Mais c'est Community Builder, le stress le même. Il est gratuit, c'est simplement la formule payante donne accès à tous ces plugins supplémentaires. Oui, voilà. Donc, CB Connect, par exemple, web, ça, c'est dans la version payante, c'est ça? Voilà. Alors, il y a oui. Enfin, je ne veux pas faire de la publicité là, mais disons, on a un niveau professionnel qu'on peut avoir en 3, 6 et 12 mois qui donne accès à tous ces plugins. La version 12 mois donne en plus accès à QuickStart, que je présenterai en 3 slides tout à l'heure. Ouais, ouais. Et il y a une version développeur qui donne en plus accès à CB Paid Subscriptions pour les paiements et au Packager qui est un download manager extrêmement puissant, mais qu'on peut aussi avoir séparément. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc il y a déjà plein de choses qui sont disponibles dans la version gratuite, qu'on n'avait pas encore évoqué ce volet-là. Moi j'ai une licence payante, donc ouais. Je ne sais pas bien où s'arrêter la frontière. Parce que c'est vrai que CB Connect, c'est une question qui revient souvent hein, pour les gens. Direct, je voudrais que les gens puissent se connecter directement avec leur Facebook, leur Twitter ou leur je sais pas quoi. Hein. Donc, c'est une chouette fonctionnalité parce que même pour quelqu'un qui n'aurait pas besoin de faire tout un réseau social au sein de son site, déjà rien que ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Absolument. Donc, Community Builder, en version de base, il est très discret. Je veux dire, il va ressembler beaucoup à ce qu'on a comme enregistrement de Joomla. Et puis ensuite, ben, on peut justement l'étendre à ce qu'on veut. Il y a un autre méga gros plugin, enfin il n'est pas très gros, mais disons il est très extrêmement puissant, où je vais quand même parler quelques minutes là-dessus, ouais. C'est CB Auto Actions. Alors CB Auto Actions, en fait, c'est un plugin qui va permettre, ah oui, puis je voulais le dire tout à l'heure, excusez-moi, chaque plugin peut être acheté séparément aussi, il n'y a pas besoin d'avoir le niveau de membership complet. Donc, ouais, ouais. On a besoin juste d'un plugin, donc on peut très bien acheter qu'un plugin. Puis là, on a les supports maintenant, c'est pas possible. Donc, Auto Action, en fait, va se mettre à écouter tous les événements internes de Community Builder et de Joomla. Et va permettre, en fait, de réagir à ces événements. Alors, sur le front-end de Community Builder, il y en a 42. Sur le back-end, sur la partie administrateur, il y en a 20. Sur les aussi bien front-end que back-end, ben, il y en a 20. KubeJive, il y en a 207. Donc, CB Subs, ben, il y en a 26, etc. Donc, on peut dire, par exemple, avant l'enregistrement de l'utilisateur, au moment où il s'enregistre, page suivante, on va, à cet événement-là, faire une action. Alors, on a 20 types d'actions différentes. Je ne sais plus par cœur le nombre qu'il y en a au total. Il y a 20 types, en fait, d'actions qu'on peut faire. On peut envoyer des mails, on peut inscrire les gens à GroupJive, les inscrire à Kunena, par exemple, faire une query SQL, les rediriger ailleurs, changer le workflow, justement, ce qui est assez intéressant, les inscrire dans un user group Joomla, etc. Suivant. Et donc, on a largement, enfin aujourd'hui, je pense qu'on a largement plus que 200 actions différentes qui permettent justement bah, de pouvoir réagir à un événement donné dans son site. Donc, c'est quelque chose, en fait, avec une interface graphique en plus une interface de code, permet en fait de pouvoir changer les workflows, d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, de s'en donner à cœur joie pour que le site fasse exactement ce qu'on veut. Ouais, ouais, ouais. Donc, très, très, très puissant. Et je dirais à peu près un quart des réponses en forum. Pouvons-nous faire ceci avec Community Builder? Plutôt que de dire non, vous ne pouvez pas,
On répond oui, vous pouvez faire ça avec Saber Interaction. Vous écoutez tel événement, vous faites telle action. Et puis on peut mettre des conditions en plus. Ouais, ça, c'est une sorte de carte blanche. Tu as tous les déclencheurs et toutes les actions. Qu'est-ce que tu veux avec. Absolument. Et puis, il y a pas mal d'articles sur notre site qui expliquent sur comment est-ce qu'on peut faire les choses. Il y a une autre chose dont je n'ai pas du tout parlé. En fait, je me rends compte qu'il est super importante aussi. C'est les CB Field Substitutions. C'est un peu comme les bots, les plugins de contenu de Joomla, mais pour des champs de Community Builder. Et là, ben, on peut insérer des champs de Community Builder n'importe où, dans n'importe quel article Joomla, ou bien dans du contenu Community Builder, avec une syntaxe. On peut même avoir des conditions, des calculs. Donc, ça devient en fait programmable à soi dans la version de base de Community Builder déjà. CB Auto Action est un plugin qui est payant. Suivant. Package Builder. Alors ça, c'est ce qu'on utilise en fait pour qu'on puisse les gens puissent télécharger Community Builder et les plugins en un seul package installable sur notre site. Mais en fait, c'est un download manager. Ça permet de downloader des fichiers PDF ou des extensions de Joomla ou d'autres types de fichiers de manière très puissante. Suivant. Donc, par exemple, sur notre site, si on va sous Downloads puis qu'on clique Community Builder, on peut prendre directement CB Activity en même temps si on a la subscription correspondante. On peut cliquer tout ce qu'on veut, puis ensuite, ben, on dit download à la fin. Suivant. Et à la fin, en fait, après, on a l'histoire de ces downloads. Donc, typiquement, si on veut redownloader la même chose qu'on a downloadée, mais dans les dernières versions, ben, il suffit d'aller en bas, de cliquer, puis on a toutes les dernières choses qu'on a downloadées dans leur dernière version. Suivant. Et puis, un des plugins CB qu'on peut downloader, depuis là, c'est CB Quick Start, qui est un installateur préconfiguré. En fait, il va installer une douzaine de plugins, les configurer de telle manière à donner un site social plaisant. Prêt à l'emploi, oui. Prêt à l'emploi, d'où son nom Quick Start. Ouais. Et en fait, CB Quick Start, il est aussi disponible dans l'installateur de Community Builder. Donc, bon, bah, dans la démo, ce que je pensais faire, c'était de... J'avais installé un site Joomla vide en français. C'était via le install from web de Joomla, on installe Community Builder. Ensuite, on va sur l'installateur de Community Builder, on installe la langue française pour le plugin de langue française de Community Builder et CB Quick Start. Et puis, on a un site qui fonctionne déjà avec toute la gestion de la communauté. Ouais, c'est ça. Bon. Ben, on va gagner du temps, étant donné que ça ne marchait pas. On passe au slide suivant. Donc, dans CB Quick Start, ben, vous aurez typiquement ben, les profils, les listes, les activités, la messagerie privée, des champs qui permettent de faire un site, par exemple, là, la LinkedIn avec des workplaces, qui sont des listes groupées de champs extensibles. Donc, tout ça, c'est déjà préconfiguré, puis après, on peut le changer comme on veut. Alors, je vois qu'il me reste encore un tout petit peu de temps, ce qui est génial. Donc, je vais pouvoir donner des informations sur Community Builder, CB Paid Subscriptions, qui permet en fait non seulement de gérer les paiements des membres, mais tout un tas d'autres choses en fait. Et puis de pouvoir étendre Community Builder de manière très importante. Là, on voit le panel de base de CB Paid Subscriptions. Je vais faire le raccourci CB Subs, comme ça, ça livre et du temps. Donc, CB Subs, en fait, permet de gérer ce qu'on appelle des plans. On peut passer à la page suivante. Parce que, des plans qui peuvent être soit une souscription illimitée, gratuite ou pas gratuite, ou bien périodique avec une période de temps donnée, soit basée sur le calendrier avec
avec affiliation dans l'année en cours, ou bien au jour près, avec des paiements et des renouvellements automatiques possibles. Donc là, c'est un petit exemple. Très bénin. Avec renouvellement automatique possible, ça veut dire que quelqu'un qui met sa carte de crédit et qui a coché l'option, il ne doit plus rien faire. Un an après, par exemple, c'est une souscription annuelle, la carte de crédit va être débitée automatiquement du montant voulu, c'est ça, hein? Voilà, pour autant que on ait mis le payment processeur correspondant et que le client soit d'accord. Donc, c'est quelque chose qui peut être optionnel ou bien quelque chose qui peut être forcé par l'administrateur. Et puis, le client a toujours moyen de se désinscrire de son renouvellement forcé. Oui, c'est ça. C'est sûr que pour des renouvellements, si les gens doivent chaque année ressortir la carte de crédit et recommencer une opération de paiement, ça décourage aussi les gens à se dire « Oh, tant pis ». Tandis que quand c'est automatique, quitte à de temps en temps gérer quelques personnes qui disent « Oui, mais bon, je voulais pas, etc. » On peut être souple et annuler a posteriori, mais au moins, on simplifie la vie des gens qui veulent simplement rester abonnés. Absolument, oui. Donc, effectivement, là, ces cotisations, ces souscriptions peuvent être récurrentes. Hein. On peut gérer aussi des dons de n'importe quel montant choisissable par l'utilisateur ou par l'administrateur. Et puis, on peut faire de la vente annexe de produits. Je dis annexe parce que ce n'est pas un shopping cart. Mais on peut ajouter des produits aux souscriptions en même temps. C'est juste qui est très centré sur la communauté et les membres plutôt que sur du commerce. Il y a beaucoup de workflows de paiement à l'enregistrement qui sont possibles. Il y a tout un ACL qui est intégré, beaucoup d'intégrations. Je vais passer rapidement en vue dans les quelques slides suivants. Ça, j'en ai déjà joliment parlé. Donc, on peut gérer les durées, les périodes, les prix. Tout est automatique. En fait, l'idée, c'est d'automatiser, pas qu'il y ait de gestion manuelle à faire. Y compris les notes de discussion, les chargebacks et les remboursements sont gérés automatiquement. Ouais. Alors, les plans eux-mêmes, on peut avoir des hiérarchies de plans avec des sous-plans qui eux-mêmes peuvent être templatables. Donc, on peut offrir plusieurs plans en parallèle à l'utilisateur qui peuvent être exclusifs les uns en fonction des autres ou pas, qui se cachent, qui se montrent en fonction de ce qu'on a sélectionné, du profil de l'utilisateur, des champs d'utilisateur. Donc, c'est extrêmement puissant et on peut faire des choses extrêmement complexes comme on peut faire des choses extrêmement simples avec. Suivant, on va parler un peu plus. Ça c'est le prix duré. Il y a beaucoup d'intégrations avec Virtumart, Eventis, Docman, Amositori, etc. Et j'en passe. Ce qui permet en fait de pouvoir régler les choses. On a un centre de paiement qui permet en fait de voir un peu, parce que des mots, on le verrait mieux, mais on voit les transactions qu'on a sur les 7 derniers jours. Bien sûr, c'est les subs, suivant. Et la protection. Alors, justement, on peut protéger des articles. Donc, par exemple, pour lire plus, une souscription, vous avez besoin d'une souscription, cliquez ici, au niveau d'un article. Si on essaie d'accéder à un composant, automatiquement, il va proposer des souscriptions, mais uniquement les souscriptions qui donnent accès au composant ou à l'article. Donc, il va cacher les souscriptions qui ne donnent pas accès. La même chose, même sur des URL, on peut les protéger ainsi que des modules. Et pour ce lien, ReadMore, c'est le lien natif de Joomla où on peut déjà dire, je ne sais plus comment c'est formulé parce que la formulation est justement un peu spéciale, c'est un lien protégé, c'est quelque chose comme ça. Ou bien c'est vraiment généré par un plugin ou autre de Community Builder. C'est le natif, le ReadMore, ou c'est... Non, alors ça, c'est généré par Community Builder. Et puis, on peut, pour chaque souscription, on peut encore le personnaliser. Donc, on peut mettre le texte à peu près qu'on veut. OK. Et si, par exemple, tu voulais dire, c'est que pour les articles des catégories X et Y,
Là, tu règles dans Community Builder aussi, que le Tout à fait, remote est payant. dans ces subs, oui. Ouais, ok. Au niveau de chacun, on peut dire à quoi ça donne accès. Ok, c'est ça. Excusez-moi, c'est le rhume des foins. Il n'y a pas de souci, Voilà, donc les articles de le mètre Joomla, ben là. 50 est respecté. C'est le rhume des foins, vous inquiétez pas. Voilà. Donc on peut montrer les introductions des articles ou pas, comme teaser. Suivant. Les modules, on peut les cacher ou pas, suivant les plans qu'on a. Donc ça permet de cacher des menus aussi, Ouais. ou des informations, suivant. Les composants, ben c'est pareil, on peut cacher des composants complets, suivant. Les parties d'URL, c'est assez intéressant parce qu'on peut, par exemple, protéger des catégories de forums, même si le forum ne sait pas tenir compte des ACL de Joomla. Puisque avec CB Subs, on peut ajouter l'utilisateur à un groupe de Joomla lorsqu'il prend une souscription. Suivant. Après, il y a plein d'intégrations. Je vais en prendre deux. Là, Docman, ça permet par exemple d'ajouter l'utilisateur à un groupe lors de la souscription et puis d'enlever quand la souscription se termine automatiquement. Comme ça, il a droit au download correspondant. Suivant. Docman, ça se trouve on Pardon? Docman, c'est l'extension de Johan Janssen, c'est ça, un des fondateurs de Joomla, ou bien je confonds avec Joomla Nation? Oui. Tout à fait. Ok. Donc, ici, il y a Mailing qui est bien connu en France, hein, une bonne intégration aussi. Ouais, et Là, ben, on aussi peut avec rajouter l'utilisateur CBLink ici. 6, je suppose, du coup. Je t'entends très mal, excuse-moi. Ah, excuse-moi, je disais aussi avec ACBLink 6, puisque depuis un peu plus d'un an, il y a ACBLink 6 qui est Oui. sorti. Oui, on a dû faire une mise à jour parce que l'API avait cassé. Mais oui. On l'a fait. Ok. Ok, super. Et oui. Mais bon, là, on a eu la question dans le forum et puis le même jour, on a réalisé une nouvelle version. Donc, une chose qui est intéressante, on a un process de release avec des nightly, en fait, où on a des releases en continu. Donc, on a des releases qu'on appelle stables entre deux, mais en fait, les nightly sont stables en elles-mêmes. Donc, elles sont proposées à l'upgrade d'ailleurs par défaut. Donc, il y a des releases quotidiennes pour certains plugins. Et donc celui qui est Pour pressé certains... d'avoir un fixe, une solution pour un bug ou un problème particulier, genre, voilà, ici tu disais ici mailing, vous avez dû adapter un bout de code parce que leur API avait changé. Celui qui est pressé de l'avoir, il est servi et tous les autres ne sont pas embêtés non plus par des mises à jour tous les 3 jours qui concernent qu'une personne sur 100 ou que sais-je. Voilà. Et puis donc cette intégration en continu nous a permis d'être extrêmement réactifs aussi. Et puis on s'est mis un point d'honneur d'être super réactifs, hein, durant le Covid parce que ben, typiquement on avait par exemple le ministère de la Santé d'un pays qui utilise ce Community Builder pour ben, pour gérer un certain nombre de choses concernant tout ce qui est maladie dans le pays. Et puis, on a d'autres gens qui ont fait des sites durant la crise pour réagir, pour retomber sur leurs pattes. Donc, on a été super réactifs à ce niveau-là. Parce que, bon, on savait que les gens étaient dans une situation de crise. Donc, on était encore plus réactifs d'habitude. Donc, on avait souvent le fixe le jour même. Alors, d'habitude, c'est plutôt le lendemain ou le surlendemain. Ou avoir des nouvelles fonctions augmentées qui étaient utiles. Je Ouais, c'est reviens cool. rapidement à ces messieurs. Ouais, merci. Donc, protection de champs aussi, et puis d'onglets. Donc, on peut spécifier ce qu'un utilisateur peut voir sur son propre profil en fonction de sa souscription, mais aussi sur l'autre profil en fonction de sa souscription à lui, voire de la souscription de l'autre. Donc, on peut faire tout un tas de règles pour monétiser, en fait, sa communauté, si on peut ainsi dire. Oui, donc tu pourrais dire que les utilisateurs doivent payer pour voir une information et que les autres peuvent payer pour qu'on ne puisse pas voir l'information, même si les autres ont payé pour la voir. Oui, Non. on pourrait le faire. C'est Un un peu peu comme tordu, pour ne mais pas oui. être dans le bottin téléphonique, tu vois.
Voilà, comme ça, tout le monde est content. Il y a des gens qui payent pour être vus, il y en a des gens qui payent pour ne pas être vus. Voilà, bah c'est le modèle de Google où si on ne veut pas que ça soit trop utilisé, on doit payer. Ouais. On peut faire son propre modèle. Disons, de l'autre côté, on ne va pas, juger les modèles. Oui, non, mais c'était juste une boutade en passant pour dire que voilà, c'est flexible. Donc, tu peux imaginer ce que tu veux. Quoi. Ouais, ouais. C'est pas une remarque CB, sérieuse. CB Suite, bah, c'est plus gros en fait que Community Builder même de base. C'est peut-être pas tout à fait aussi gros que GroupDrive, mais disons c'est une très, très grosse extension qui a une très bonne doc, malheureusement en anglais, mais Est-ce qu'en soi, CB Subs est indépendant de Community Builder ou bien il a besoin de Community Builder pour fonctionner? Non, il a besoin de Community Builder. On aimerait bien le rendre indépendant et on a débuté un travail sur CBLib, qui est une librairie de Community Builder, où il y a pratiquement toutes les fonctionnalités de Community Builder qui sont dans la librairie, de telle manière à pouvoir installer, par exemple, CB Subs indépendamment de Community Builder. Mais on n'est pas encore arrivé au bout et puis on a eu d'autres priorités, ce qui fait que la demande n'était pas très forte. On a préféré être plus réactif sur d'autres aspects. Ah, ouais. C'est quelque chose qui reste de faire cette librairie, terminer cette librairie CBLib qui existe déjà, qu'on utilise de manière extensive. Mais par exemple, CBSub utilise 90% des fonctions sont dans CBLib et puis il y a peut-être 10% qui sont encore dans Community Builder. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc CB Subs, ça permet de transformer le site Joomla en une machine à sous, des contenus et des fonctions payantes, de pouvoir protéger les contenus de Joomla, même indépendamment des sous. Hein. Je veux dire, on peut très bien faire des souscriptions qui sont gratuites, mais les utiliser pour assigner l'utilisateur à cette souscription et puis lui donner accès à un certain nombre de choses. Et puis d'automatiser ça avec des renouvellements, etc. Donc, ça s'intègre avec toutes les extensions de Joomla, du coup. Ouais, ouais. Et en fait, c'est nouveau un outil aussi universel que possible, mais aussi simple à utiliser que possible aussi. Suivant. Voilà, alors je me rends compte que je déborde depuis le time slot qu'on s'était dit, mais pas encore depuis le début de présentation, je ne sais pas comment tu veux faire. Est-ce que j'ai encore 10 minutes ? Non, oui, on peut le terminer proprement. Après, j'ai une contrainte. Disons que la première session, ça aurait été plus embêtant, celle de 14h, parce que là, comme il y avait une autre session qui arrivait juste après, mais ici, on n'a pas une autre session après. Donc, c'est juste que moi, j'ai des rendez-vous que je dois gérer. Mais on peut terminer ce que tu avais prévu, il n'y a pas de souci. J'en ai maximum 10 minutes. Oui, voilà, c'est parfait. Après, sur la vidéo, tu pourras même couper vos déboires initiaux. gérer une communauté, c'est pas seulement du logiciel, en fait, c'est tout un état d'esprit. Et puis, loin de moi l'idée de vouloir faire la morale ou de dire aux gens comment ils doivent se comporter, mais j'aimerais juste partager quelques trucs qui marchent juste super bien pour gérer notre propre communauté de community builderia. On a actuellement une communauté de 550 000 membres sur Joomla Police. Donc, qui se sont enregistrés sur site. Millions. On a 550 000 membres sur Joomla Police. Et quand on fait le mailing, la newsletter chaque semaine, c'est 230 000 mails qui partent. Waouh! En quelques heures. Donc, d'après les statistiques Joomla, les statistiques Google qu'on a essayé d'entrecouper, on a largement plus d'un million de sites web qui utilisent Community Builder actuellement. Donc, c'est une communauté qui est intéressante à gérer, en fait, dans le sens que pour pouvoir croître et puis être connu, il faut avoir du contenu, des produits, des services de qualité. Je pense que l'honnêteté et puis la fairness par rapport aux gens, c'est quelque chose d'absolument clé. Si on veut avoir une communauté qui est honnête et puis qui croit, il faut se comporter de manière honnête soi-même aussi. De manière modeste aussi. En respectant et en aidant l'autre, en l'encourageant.
encourageant, l'accompagnant, plutôt qu'en jugeant et puis en montrant qu'on sait mieux que l'autre. C'est facile de le dire, des fois c'est plus difficile à le faire, parce qu'on a des niveaux très différents de personnes dans une communauté, donc plus une communauté est accueillante, plus elle va accueillir des gens, logiquement. Donc, ça, c'est des choses qui sont évidentes à dire, mais qui, néanmoins, on ne les voit pas toujours partout, dans toutes les communautés, certaines dont je ne dirai pas le nom, ce qui est dommage, parce que c'est très antiproductif. Donc, admettre ses erreurs et ses limites, ben, oui, on fait des bêtises. Là, ben, je me suis planté avec mon partage d'écran, désolé. Par exemple, remercier les gens, les gratifier, les responsabiliser, construire avec eux. Tout ça, c'est des choses déléguées dans sa communauté. Il y a plein de bonnes volontés dans une communauté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver plutôt que de l'ignorer. Ne pas effacer, censurer, sauf si les règles de bienséance sont dépassées ou les règles de comportement du site. Et là encore, vaut mieux expliquer qu'effacer et censurer, effacer partiellement seulement. Et puis, si possible, ne pas se comporter comme un propriétaire, mais comme un simple membre. Penser au business model, c'est du travail de longue haleine, donc c'est le quick money, oui, ça existe, mais ce n'est pas durable. Et c'est l'idée de pas être propriétaire, mais simplement de sa communauté qu'on aide plutôt que de la diriger. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant avec la remise en question de la société actuelle aussi, suite aux excès de globalisation et autres qu'on a dans notre société. On trouve sur certains sites aussi, puis pas sur d'autres. Mais si on veut avoir l'état d'esprit communautaire, ben, il faut avoir un état d'esprit communautaire, pas un état d'esprit dirigeant. Donc, ce qui ne veut pas dire que Community Builder ne peut pas être utilisé pour la gestion des clients d'une entreprise. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai démarré dans Community Builder, c'était pour gérer mes clients. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on pouvait gérer des communautés avec aussi. Donc, c'est le principal. Donc, c'est un travail de longue haleine. Voilà, je crois que les insights, c'est la conclusion. Si ma mémoire est bonne. Donc, Community Builder, ce n'est pas juste un produit pour un réseau social. En fait, c'est un framework libre avec une API de programmation, mais aussi avec CB Interactions et plein d'autres CB, champs CB, query, PHP et autres. Un framework libre qui permet d'avoir une architecture très modulaire. On a une méthodologie qui est toujours d'essayer de généraliser les demandes. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un nous demande une petite fonction ici, on réfléchit toujours comment est-ce qu'on peut la généraliser et la rendre utilisable par beaucoup de gens de manière simple. Ouais. Donc, on innove grâce à la communauté, grâce aux inputs de la communauté aussi. On a une grosse communauté Fair Play avec quand même pas mal de membres actifs, beaucoup de membres passifs qui prennent, qui installent et puis on n'en entend pas parler, mais on voit que le site fonctionne, donc ça fait plaisir. Et puis une très grande compatibilité, on fait super attention d'avoir une compatibilité avant et arrière très large, de telle manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec un site planté. Sauf bug majeur. Donc, typiquement, on ne va pas changer une API sans faire une couche de backwards compatibility, si je peux ainsi dire, pour terminer avec un R, avec un mot anglais, dans cette présentation en français. Donc, voilà, c'est un outil web puissant qui va largement au-delà de la communauté, en fait, parce que même si on n'utilise que la base de Joomla avec Community Builder, ben on a toutes ces fonctions supplémentaires. Je n'ai montré quelques-unes, mais il y en a 10 fois plus qu'on peut découvrir sur notre site www.joomlapolice.com. Et en particulier dans Add-ons, il y a toute la liste en fait, des add-ons existants qui donnent un peu une idée d'ampleur et de la richesse de tous ces plugins.
Et ce product, bah, il y a aussi les highlights qu'on peut trouver pour les grosses extensions avec une grosse fonctionnalité. Donc, je dirais la courbe d'apprentissage multibuilder, elle n'est peut-être pas la plus simple et la plus courte. Par contre, la puissance de l'outil est en correspondance. Donc, et c'est très, très flexible. On n'a pas des... On se retrouve pas avec un site avec des fonctionnalités limitées, une mise en page limitée. Disons, pratiquement tout est paramétrable et tout est réglable pour qu'on ait le site qu'on désire avoir, en fait, et pas le site qui est imposé par le développeur. Donc, voilà, je me réjouis de vous voir sur le forum. Et puis aussi, ben, sur notre, que ce soit notre forum, on a des parties gratuites dans notre forum, bien sûr, donc, pour la communauté. Et puis aussi ben, sur le forum .joomla.fr aussi, si vous avez des questions. Oui, tout à fait. On va rajouter un lien sur le site joomladay.fr/virtuel. Pour chaque session, on rajoute un petit lien vers le forum, forum.joomla.fr. Comme ça, ceux qui éventuellement nous regardent en replay, en différé et ayant des questions, voilà, c'est une manière d'initier et de ne pas se limiter au chat live de YouTube. Merci Béat pour cette session où en une heure, il fallait bien ça, on a brossé, on a fait un survol parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup sous le capot. Parce que d'un côté, tu allais très vite et d'un autre, ça prend quand même déjà une heure de juste faire ce survol. Donc, on se rend compte de la puissance et des possibilités de l'outil, comme je m'y attendais. Moi, pour mon petit usage, j'étais passé à côté de plein de choses qui existent parce que j'en avais pas besoin. Mais c'était intéressant aussi, justement, moi qui ai déjà un petit peu goûté, de voir tout ce qui était possible à côté de ça. Juste terminer par deux petites questions. Tu signes ici votre CB Team, Community Builder Team. Vous êtes combien? Parce que toi, tu es Béat. Voilà, je t'avais déjà rencontré un Joomla Day. Et vous êtes combien dans l'équipe? Alors, l'équipe de base, on est trois. Il y a moi-même, il y a Kyle, Criléon sur les forums. Okay. Et puis, il y a Nick, Nant sur les forums, qui sont là à plein temps, pratiquement. Et puis ensuite, ben, on a un certain nombre de personnes qui gravitent autour. On a quelques mandataires aussi qui nous aident pour du graphisme, des choses comme ça. Mais effectivement, le team de base, c'est trois personnes. Donc, c'est pas un gros team. ce qui fait que ben, on a dû développer des méthodologies de travail et de développement super efficaces, hein, pour arriver à faire en petit team tous ces outils. Donc, typiquement, toutes les pages d'administration de back-end, de community builder, de CB Subs que vous avez vu, par exemple, il n'y a pas une seule ligne de code. C'est tout du descriptif. Donc, tout est décrit en XML. Et ensuite, tout le rendu, toute la... un peu comme Joomla fait, mais de notre côté, ben, on n'a pas seulement la partie view, donc la partie d'affichage, mais on a aussi toute la partie action, toute la partie moteur derrière qui est encodée et en fait dans une description XML qui est interprétée par du code PHP totalement général. Donc, on a pas mal d'outils qu'on a mis en place en fait pour pouvoir être super efficace tout en restant une petite équipe et puis en restant une petite équipe de pouvoir offrir beaucoup de logiciels pour des prix extrêmement raisonnables. Ouais. C'est vrai qu'à 3, gérer 1 million de sites, être présent sur 1 million de sites, ça vous fait quand même en moyenne 333 333 sites. Chacun à gérer avec des gens qui posent des questions, etc. Donc, c'est pas mal. Et mon ultime question, c'est, on est Joomla 4, la version bêta, on la pressent pour tout bientôt, hein, puisque normalement, la conférence européenne en anglais, JN Beyond devait avoir lieu à la fin de ce mois-ci. Et donc, où est-ce que quels sont vos projets par rapport à Joomla 4, puisque la bêta sort tout prochainement? Donc nous, on va supporter la bêta dès qu'elle sort. On va adapter Community Builder
pour les choses qui sont nécessaires. À Joomla 4, Joomla 4 était très dans le vague jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ouais. Et encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonctions et de modules où ce n'est pas encore absolument certain ce qui va rentrer, ce qui ne va pas rentrer dans Joomla 4. Donc, comme une petite équipe, on a décidé de ne pas faire trop de projections dans le vague et puis de dire, voilà, quand la bêta sort, ben nous, on démarre. Quand la bêta 1 sort, nous, on démarre rapidement l'intégration. C'est pour ça que les bêtas sont aussi là pour tester les extensions. Ouais, pour la bêta 2, bêta 3 sera là, probablement on sera compatible. Pour la RC, on sera en tout cas compatible. Et puis, pour la finale également, évidemment. Mais, actuellement, on n'est pas compatible. Peut-être qu'on est partiellement, on n'a pas passé du temps à tester en fait, la compatibilité dans le sens que on a nos bras qui sont déjà bien pleins de travail, donc par contre, dès le moment où la bêta sera dehors, c'est un signal pour nous. C'était une question ouverte, mais donc c'est clairement dans le pipeline, c'est votre intention de continuer à suivre et d'adapter pour Joomla 4. Et de fait, tu as raison, la plupart des développeurs, j'entendais Peter Van Westen, donc développeur de Regular Labs, qui développe pas mal d'extensions. Bien largement utilisé dans le monde Joomla, disait aussi j'attends que la bêta sorte et alors je commence à adapter mon code pour ne pas tout faire entre guillemets deux fois. Il y a des développeurs qui ont déjà commencé parce que ça dépend un peu quelle extension, quel est l'enjeu. Certains participent aussi à Joomla 4, donc fatalement ont déjà adapté leur code. Pour certains c'est une heure de boulot, pour d'autres c'est peut-être plusieurs semaines de tout adapter. Donc voilà, mais on sait en tout cas que vous êtes dans le coup pour Joomla 4 et comme la version bêta va sortir, dans les semaines qui viennent officiellement, ce sera intéressant à suivre. Eh bien, en tout cas, merci Béat pour. On se réjouit parce que c'est un gros milestone en tout cas pour Joomla et puis il y a des fonctions supplémentaires qu'il y a dedans, les nouvelles interfaces vont donner un gros coup de boost à Joomla. Je pense aussi, et pour faire un petit coup de pub, parce que le Joomla Day physique aura lieu, donc je rappelle, les 2 et 3 octobre prochains à Bruxelles. Et donc, à mon avis, on n'a pas encore calé le programme, mais à mon avis, il sera largement question de Joomla 4 et de toutes les nouvelles fonctionnalités intéressantes entre le Media Manager, le gestionnaire de workflow, de flux. Voilà, toutes les nouveautés qu'il y a dans l'accessibilité, voilà, que ce soit des fonctionnalités ou d'autres choses intéressantes présentes dans Joomla 4, je suis particulièrement impatient. Mais à court terme, merci beaucoup Béat, parce que c'était aussi l'occasion de mettre ici avec ce Joomla Day virtuel, comme je disais en introduction, de faire appel à des Joomlers francophones un peu de différents pays, de différents horizons. Donc là, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir la Suisse dans le paysage Joomla francophone. Merci. Voilà. Merci. Et l'occasion aussi de mettre du coup en évidence des extensions qui sont développées dans le monde francophone. Parce que finalement, il y a quand même pas mal d'extensions de quoi qui sont développées dans le monde francophone. Donc voilà, pas impossible qu'on lance un jour une série indépendamment du Joomla Day virtuel, ça c'est un peu ponctuel ici, histoire de garder le contact avant le Joomla Day physique. Mais pas impossible qu'un jour on lance une petite série comme ça de vidéos de présentation Joomla Made in Francophonie, voilà, quelque chose comme ça, on n'a pas le titre, mais ça pourrait peut-être être sympa de mettre en évidence tout ce patrimoine d'extensions Joomla faites par des francophones. Encore merci Béat pour cette présentation. Très bien préparé. On a eu un petit souci, je m'en excuse aussi pour le partage d'écran, mais on s'est débrouillé. Et puis on reste en contact. J'espère qu'on verra l'un ou l'autre membre de l'équipe Community Builder à Bruxelles pour le Joomla Day. C'est l'occasion de faire un petit saut début octobre. On sera content de vous accueillir. Et on va terminer ce live stream ici. Donc je salue tous les Joomleurs, toutes les Joomleuses, tous les Joomleurs. Et rendez-vous chaque vendredi après-midi pour des sessions autour de Joomla. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.